Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce webinaire Demande de licence Nouveauté 2022-2023. Je vous propose de patienter quelques minutes, le temps que l'ensemble des participants puissent nous rejoindre. On débutera d'ici 18h05 plus tard. Merci. Je vous rappelle que la présentation va démarrer dans quelques petites minutes. On attend les derniers participants. Si vous n'entendez rien pour l'instant, c'est tout simplement parce qu'on attend encore quelques minutes les derniers participants, pas d'inquiétude. Ça va débuter dans quelques petits instants. Autant de laisser à tout le monde la possibilité de nous rejoindre et d'être parmi nous dès le début. Merci de votre compréhension. Encore une petite minute et puis je crois qu'on va débuter puisque ceux qui sont à l'heure méritent qu'on débute à l'heure, ou pas trop tard en tout cas. Allez, c'est parti. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire Demande de licence Nouveauté 2022-2023. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait la saison dernière et qui avait été plutôt apprécié. L'objectif étant de vous mettre en visibilité les évolutions réglementaires et fonctionnelles qu'on a pu mettre en œuvre dans les parcours de demande de licence, dématérialisés notamment, afin que vous puissiez démarrer votre saison et votre campagne de licence dans les meilleures dispositions possibles. Alors, je vous rappelle tout simplement que ce webinaire, il n'a pas vocation à vous former à l'utilisation de la dématérialisation des licences notamment. Il y a des formations qui sont organisées dans chacun de vos territoires en ce sens, et il y a, vous le verrez, un ensemble de contenus qui sont à votre disposition pour que vous puissiez vous auto-former le cas échéant. Cette session aujourd'hui, elle est vraiment destinée à vous présenter les nouveautés spécifiques de la saison 2022-2023. Donc pour ceux qui auraient raté l'édition de l'année dernière, je vous propose éventuellement de récupérer le lien, on pourra vous le renvoyer, de la vidéo de la saison dernière pour vous remémorer et vous rafraîchir la mémoire sur les nouveautés qui avaient été présentées la saison dernière déjà et qui sont toujours présentes actuellement. Alors, pour débuter, je vous un petit rappel, puisque vous savez que vous pouvez, par l'intermédiaire de ces webinaires-là, poser des questions pendant le webinaire, quel que soit le support que vous utilisez pour suivre ce webinaire, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone, vous avez tout à fait la possibilité de poser l'ensemble de vos questions en cliquant sur la petite icône point d'interrogation. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir utilisé, donc n'hésitez pas à le faire. Il y a un collègue à moi qui s'appelle Karim Méroville qui participe à ce webinaire et qui pourra répondre à vos questions au fur et à mesure de la réunion. Et bien entendu, à la fin de ce webinaire, on prendra une dizaine de minutes pour reparcourir les questions les plus pertinentes et les plus utiles à tous et pour prendre le temps d'y répondre. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, on va travailler en deux étapes ce soir.
La première qui va consister à vous présenter les nouveautés réglementaires qui ont nécessité des changements dans les parcours de demande de licence. Et la deuxième qui va consister à vous présenter les nouveautés mises en œuvre sur les parcours de demande de dématérialisation des licences. Donc on vous parlera de ces nouveautés et on vous en fera la démo au fur et à mesure. Donc surtout, soyez bien attentifs. Alors, la première chose, c'est en ce qui concerne donc la campagne des licences 2022-2023, quelques nouveautés réglementaires. Alors, elles sont peu nombreuses cette saison, c'est une bonne nouvelle. La première, c'est le certificat médical des éducateurs qui dorénavant est sur la même forme pardon, que celui des joueurs, à savoir que pour les mineurs, il n'y a plus d'obligation de fournir un certificat médical jusqu'à la majorité. Il faut répondre simplement à un questionnaire de santé spécifique chaque saison, le même que celui qui existe pour les joueurs. Et en fonction des réponses qui sont données sur ce questionnaire de santé, on sait si le licencié doit ou pas fournir un certificat médical. S'il atteste qu'il répond non à l'ensemble des questions de ce questionnaire de santé, il ne doit pas fournir de certificat médical. En revanche, s'il répond au moins oui, à une des questions de ce questionnaire de santé, là, dans ce cas-là, il doit fournir un certificat médical. Vous connaissez maintenant la mécanique en ce qui concerne les joueurs. Voilà, dans la continuité, c'est maintenant la même chose pour les éducateurs qui sont du coup logés à la même enseigne. Information importante et précision importante, puisque je pense que vous allez vous poser la question, c'est que le questionnaire de santé qui doit être rempli par les éducateurs qui sont mineurs, c'est exactement le même que celui qui est rempli par les joueurs mineurs. Voilà. En ce qui concerne les majeurs, bah de la même manière, ils ont un certificat médical qui est dorénavant valable pour 3 saisons, à condition de respecter les mêmes conditions que pour les joueurs, à savoir que chaque saison, le licencié réponde à un questionnaire de santé et atteste qu'il a répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé, et également que d'une saison à l'autre, il garde son statut de licencié. Donc nous, les actions qu'on a réalisées dans le cadre de cette modification réglementaire, c'est la mise en conformité du bordereau de demande de licence papier et des parcours de demande de licence dématérialisée pour être en conformité avec cette nouvelle règle. Donc vous pouvez le voir sur la droite, il y a une copie d'écran de l'encart médical du bordereau de demande de licence des éducateurs qui a été modifié et on y reviendra un petit peu après quand on fera la présentation des documents de la campagne des licences 2022-2023. Ensuite, un autre changement sur les bordereaux de demande de licence, ça concerne la partie médicale des arbitres, puisque maintenant, sur le dossier médical des arbitres, en fonction de la situation de l'arbitre, il peut être amené de la même manière à devoir répondre à un questionnaire de santé, ce qui déterminera s'il doit fournir ou pas un dossier médical d'arbitrage. Donc il y a différents cas d'usage, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun de ces cas-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bordereau de demande de licence, maintenant, il y a dans l'encart dossier médical la possibilité pour les licenciés concernés d'attester des réponses qui ont été données à l'auto-questionnaire médical sur la demande le dossier médical d'arbitrage. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté que vous retrouverez et qu'on représentera aussi tout à l'heure quand on rentrera dans le détail du bordereau de demande de licence des arbitres. Et de la même manière, on a mis en conformité les parcours de demande de licence dématérialisée qui concernent les arbitres pour qu'ils aient la possibilité également, dans le parcours de demande de licence en ligne, de pouvoir attester des réponses qu'ils ont données au questionnaire de santé. Voilà les deux principaux changements en ce qui concerne les bordereaux de demande de licence et qui sont globalement des changements réglementaires qui impactent les parcours de demande. Ensuite, important de vous rappeler également ce qu'il est possible de faire de manière classique et ce qu'il est possible de faire de manière dématérialisée en fonction des types de licences. Vous le savez, on est vraiment dans une phase de dématérialisation de l'ensemble des parcours de demande de licence pour tous les types de licences, mais on est obligé de le faire au fur et à mesure parce que ça prend du temps. Donc, au fur et à mesure, petit à petit, chaque saison, on intègre des nouveaux types de licences et des nouveaux types de demandes. Donc pour la saison 2022-2023, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce qui concerne les joueurs amateurs, pour les renouvellements et les nouvelles demandes, il y aura la possibilité de le faire à la fois par l'intermédiaire des parcours classiques, historiques, au format papier, et à la fois en dématérialisation. En ce qui concerne les changements de club, pour l'instant, c'est toujours uniquement au format papier classique. Les changements de club pour la dématérialisation, on y reviendra un tout petit peu plus tard. En ce qui concerne les dirigeants et les volontaires,
que ce soit pour les renouvellements ou les nouvelles demandes, vous pouvez faire à la fois des parcours classiques et à la fois des parcours dématérialisés. En ce qui concerne les arbitres, pour les renouvellements et les nouvelles demandes, vous pouvez utiliser les parcours classiques ou les parcours dématérialisés, et pour les changements de club, uniquement les parcours classiques. Attention, petite spécificité, petite précision, c'est que sur la saison 2022-2023, à partir de la saison 2022-2023, il y a certains de vos territoires qui imposent le recours à la dématérialisation pour les renouvellements de certains types de licences. Vous avez dû être informé par l'intermédiaire d'articles sur les sites internet de vos ligues et de vos districts. Mais voilà, il y a maintenant certains territoires qui n'autorisent plus la possibilité de faire des demandes de licence papier par l'intermédiaire des parcours de demande de licence historique et qui imposent l'utilisation des parcours dématérialisés pour les renouvellements de certains types de licences. Donc là, à vous de vous renseigner. De toute façon, dans Foot Club, pour ceux qui sont concernés, vous le verrez, vous n'avez plus la possibilité d'initier des renouvellements standards sur ces types de licences. Okay. Dernière information sur cet écran, c'est que en ce qui concerne les changements de club pour les joueurs amateurs et pour les arbitres, on est en train de travailler dessus et normalement à partir du mois de septembre 2022, ce sera disponible et vous pourrez dorénavant utiliser la dématérialisation pour faire votre demande de changement de club. Bien entendu, on vous redonnera les informations à ce moment-là pour que vous puissiez le faire dans les meilleures dispositions. La nouveauté cette saison, ça concerne les éducateurs, puisqu'on a intégré les parcours de demande de licence dématérialisée pour les éducateurs en ce qui concerne les renouvellements et les nouvelles demandes. Donc pour tous vos éducateurs maintenant, donc les animateurs, les éducateurs fédéraux, les techniques régionaux ou les techniques nationaux, vous aurez la possibilité de faire vos renouvellements et nouvelles demandes, soit par l'intermédiaire des parcours classiques historiques, soit par l'intermédiaire des nouveaux parcours dématérialisés qui ont été implémentés. En ce qui concerne la partie changement de club des éducateurs, c'est la même chose. Pour l'instant, ça reste uniquement sur les parcours classiques. Et d'ici à septembre 2022, vous pourrez également faire par l'intermédiaire des parcours dématérialisés. Le seul type de licence pardon, qui restera à dématérialiser, ça concerne les joueurs fédéraux, mais ça concerne une population un peu plus restreinte et surtout beaucoup moins de clubs sur le territoire. Pour l'instant, les parcours de demande de licence des joueurs fédéraux ne sont pas dématérialisés, ils restent faits par l'intermédiaire des parcours classiques historiques. Voilà, ça c'est très important. La grosse nouveauté, s'il y avait quelque chose à retenir de ces deux slides-là, c'est que par rapport à la saison dernière, il y a dorénavant la possibilité de faire les demandes dématérialisées pour les éducateurs également. Information importante aussi en ce qui concerne les éducateurs sur la partie médicale qu'on évoquait tout à l'heure et le changement réglementaire qui consiste à faire en sorte que les mineurs n'aient plus à fournir de certificat médical et que les majeurs aient un certificat médical qui soit valable 3 saisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le certificat médical fourni pour la saison 2021-2022 est valable pour 3 saisons. Donc normalement, pour la saison 2022-2023, les éducateurs qui sont concernés, en fonction encore une fois des réponses qui donneront au questionnaire de santé, ils n'auront pas à fournir de certificat médical pour la saison 2022-2023. Attention, tout dépend vraiment à chaque fois de la situation de l'individu, mais en tout cas, sachez que les certificats médicaux fournis pour la saison 21-22 sont valables pour 3 saisons, donc 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Documents. Donc là, c'est la liste des documents officiels qui sont à utiliser dans le cadre de la campagne de licence 2022-2023. Alors notamment quand on utilise les parcours classiques standards dans le cadre des changements de club pour l'instant et encore dans le cadre de certaines nouvelles demandes si vous en avez besoin. Nous, vous le savez maintenant, on privilégie, on fait la promotion, on vous incite fortement à utiliser la dématérialisation pour tous les gains que ça peut vous apporter en termes d'efficacité et en termes de charges administratives. Maintenant, dans certains cas, vous restez obligé d'utiliser des bordereaux de demande de licence papier. Donc, voici la liste des documents officiels qui sont à utiliser pour la campagne 2022-2023. Le bordereau vierge de demande de licence pour les joueurs, dirigeants et volontaires. Le bordereau vierge de demande de licence pour les éducateurs. Le bordereau vierge de demande de licence pour les arbitres. Le modèle de certificat médical qui est à utiliser uniquement dans le cadre d'une demande dématérialisée, le questionnaire de santé à destination des licenciés majeurs, le questionnaire de santé à destination des licenciés mineurs, le dossier de surclassement pour les joueurs qui sont concernés, l'accord du club quitté en rapport avec l'article 117D, dans certains cas très précis si besoin,
et l'attestation d'honorabilité pour les éducateurs bénévoles qui restera nécessaire au format papier si vous faites encore des demandes de licence par les parcours historiques. Donc, ce que je vous propose très rapidement, c'est de parcourir chacun de ces documents-là pour pouvoir regarder un petit peu les différences qu'il y a par rapport à la saison dernière et les nouveautés qui ont été implémentées dessus. Alors, sur les parcours, pour certains, ça va être très rapide, vous allez le voir. Sur les parcours de demande de licence, sur le bordereau de demande de licence joueur, dirigeant et volontaire, donc sur le bloc identité, il n'y a aucune modification par rapport à la saison dernière. Sur la bloc catégorie non plus, dernier club quitté non plus. La partie assurance reste également la même. Offre commerciale et coordonnées identiques également. Sur la partie médicale, on a juste mis, bien entendu, le lien vers les nouveaux questionnaires de santé de la saison 2022-2023 pour les mineurs dans le bloc des licenciés mineurs et pour les majeurs dans le bloc des licenciés majeurs. Sur la partie certificat médical, la seule modification, c'est des modifications de libellé où on dit maintenant que pour les joueurs, ils doivent présenter l'absence de contre-indication médicale à la pratique du football en compétition et en compétition à la catégorie d'âge immédiatement supérieure. Donc ça, c'est juste pour se mettre en conformité avec le code du sport. Et pour les dirigeants, présente l'absence de contre-indication médicale à l'arbitrage occasionnel. Donc là, c'est tout simplement parce que c'était des libellés qui étaient différents la saison dernière, mais ça ne change rien en l'état. Sur la partie signature, dans le bloc mineur, majeur ou représentant du club, on est exactement sur la même chose que la saison dernière. Vraiment, ce bordereau-là, à part la saison en haut et ce qu'on vient d'évoquer ici, il n'y a aucune autre modification. Ensuite, sur maintenant le bordereau de demande de licence des éducateurs. Celui-ci, il a particulièrement changé en rapport avec ce qu'on évoquait tout à l'heure et les nouvelles modalités réglementaires qui concernent les éducateurs. Donc, on retrouve dans le bloc identité la même chose que la saison dernière. Dans le bloc catégorie, c'est pareil, ça ne change pas. On peut faire une demande animateur, éducateur fédéral, technique régionale ou technique nationale. Sur la partie fonction, pas de modification non plus. Et là, par contre, il y a une modification. Puisqu'avant, le bloc qui concernait la partie contrat de travail ou bénévole était positionné en haut à droite, on a été obligé de le positionner maintenant à cet endroit-là. Donc là, la seule modification, c'est qu'on fait aussi référence aux animateurs qui ne sont pas concernés par la partie contrat de travail, puisque c'est forcément des accords bénévoles les concernant. Et on a intégré la possibilité d'informer que l'accord entre l'éducateur et le club est bénévole directement dans cet encart-là. Voilà, tout simplement. Sur la partie offre commerciale et coordonnée, pas de modification. Sur la partie assurance non plus, le contenu du bloc est le même. Sur la partie liste, alors et là par contre sur la partie médicale, des grosses modifications, puisqu'avant il n'y avait qu'un bloc certificat médical pour les éducateurs, et maintenant on a été obligé d'adapter pour faire à peu près la même chose que ce qu'il y a sur le bordereau de demande de licence des joueurs, à savoir qu'il y a un bloc qui concerne les mineurs, un bloc qui concerne les majeurs, avec toutes les modalités qui les concernent dans chacun des cas. Donc voilà, pour le licencié mineur, on rappelle que le certificat médical n'est pas obligatoire, que ce principe est applicable uniquement si la condition suivante est respectée. L'intéressé doit répondre au questionnaire de santé qui est disponible par l'intermédiaire du lien ici et attester d'une réponse négative à toutes les questions de ce questionnaire. Et on informe que dans le cas contraire, l'individu doit fournir un certificat médical qui ne sera valable que pour la saison en cours. Ensuite, l'individu a la possibilité d'attester des réponses qu'il a données au questionnaire ici. Donc, soit il a répondu non à toutes les questions, soit il a répondu oui à une ou plusieurs questions. Et dans ce cas-là, on informe qu'il a le certificat médical ci-dessous à fournir. Pareil pour les majeurs, on rappelle que le certificat médical est valable pour une durée de 3 saisons, que le principe n'est applicable que si les 2 conditions suivantes sont respectées pendant la période de 3 saisons, donc ce que j'évoquais tout à l'heure. L'intéressé doit conserver sa qualité de licencié d'une saison à l'autre. Et l'intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé et attester d'une réponse négative à toutes ces questions. Par la présente, je confirme ma préconnaissance du questionnaire de santé et atteste, donc il peut préciser s'il a répondu non à toutes les questions, répondu oui à une ou plusieurs questions, et dans ce cas-là, on l'informe qu'il a un certificat médical à fournir. On rappelle également que dans tous les autres cas, par exemple une première demande de licence, l'individu doit forcément fournir un certificat médical. Voilà donc le gros changement sur ce bordereau de demande-là. Le bloc certificat médical avec la mention qui est spécifique aux éducateurs, donc présente l'absence de contre-indication médicale à la pratique et l'encadrement du football et à l'arbitrage occasionnel. Et après, la partie signature qui reste inchangée par rapport à la saison dernière. Voilà pour les éducateurs.
En ce qui concerne maintenant le bordereau de demande de licence des arbitres. Donc là, on va aller assez vite, puisque comme pour les joueurs, sur le bloc identité, il n'y a pas de modification. Le bloc dernier club quitté non plus. Sur le bloc dossier médical, en revanche, ben c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Avant, il y avait juste l'indication dossier médical spécifique pour les arbitres, se référer à la partie correspondant à votre situation. Et maintenant, on a ajouté la partie auto-questionnaire médical en indiquant que ça ne concerne uniquement les individus dont la situation le nécessite. Il faut se référer au dossier médical d'arbitrage et en précisant que le cas échéant, l'individu doit répondre au questionnaire de santé qu'il concerne sur le DMA et attester de ses réponses ci-dessous. Voilà. En fonction des réponses qu'il a données, s'il a répondu non à toutes les questions, il n'a pas d'autres conditions médicales à remplir. Si par contre il a répondu oui à une ou plusieurs questions, le dossier médical arbitrage est à fournir. Sur la partie bloc assurance, pas de modification. Et sur les parties signature, offre commerciale et coordonnées, pas de modification non plus. Donc voilà, globalement, sur les bordereaux de demande de licence, les principaux changements. Petit rappel pour tous sur la partie questionnaire de santé qui concerne les majeurs et les mineurs. Le questionnaire de santé, il est à remplir individuellement par chaque licencié ou avec l'aide du représentant légal dans le cas des mineurs, mais en aucun cas il a besoin d'arriver dans les mains du club. D'accord? C'est le licencié en son âme et conscience qui doit attester des questions, des réponses qu'il a données sur le bordereau de demande de licence ou sur son formulaire de demande de licence en ligne dans le cadre des parcours de demande de dématérialisé. Mais il n'a pas à vous donner le questionnaire de santé qu'il a rempli. Ensuite, on a donc le modèle de certificat médical à utiliser dans le cadre d'une demande dématérialisée. Donc, je vais vous le montrer également. Il a été un tout petit peu adapté cette saison par rapport au fait qu'on a intégré maintenant les éducateurs dans les parcours de demande de licence dématérialisée. Donc, vous retrouvez ici donc certificat médical pour la saison 2022-2023 pour les joueurs ou les dirigeants ou les éducateurs et éducatrices, avec donc la date de l'examen, la signature et la mention du docteur, et ensuite un bloc en fonction de la nature de la licence demandée. Donc pour les joueurs, avec les mêmes mentions qu'on retrouve sur les bordereaux de demande de licence, pour les dirigeants également, et enfin pour les éducateurs, ce qui est la nouveauté puisque ça n'apparaissait pas avant. D'accord? Donc pour des éducateurs qui feraient leur demande par l'intermédiaire de la dématérialisation qui aurait besoin de fournir un certificat médical, c'est le modèle de certificat médical qui leur sera mis à disposition et avec lequel il faut qu'ils aillent chez le médecin pour bah, valider leur aptitude médicale. Ensuite, il y a le questionnaire de santé à destination des licenciés majeurs et des licenciés mineurs. Alors là, pareil, on va aller très vite puisqu'il n'y a quasi aucune modification par rapport à la saison dernière. La seule, c'est sur le questionnaire de santé qui concerne les majeurs, mais c'est juste sur la mention qu'il y a ici, où on précise si vous aviez fourni un certificat médical en saison 2020-2021 ou 2022, 2021-2022, pardon. Répondez aux questions suivantes par oui ou par non. Voilà. Et ensuite, en fonction à la fin du questionnaire, on informe l'individu de ce qu'il doit faire. S'il a répondu oui, s'il a répondu non à toutes les questions, il n'a pas de certificat médical à fournir. En revanche, s'il a répondu oui à une ou plusieurs questions, dans ce cas-là, il a un certificat médical à fournir. Voilà. Et ensuite, le questionnaire de santé pour les mineurs, qui est un autre document, avec le licencié mineur qui est bien en rouge ici, pour ne pas pouvoir se tromper, où là, il n'y a strictement aucune modification par rapport à la saison dernière. C'est exactement le même. Et comme je le disais tout à l'heure, je le rappelle, c'est le même qui est utilisé à la fois pour les éducateurs et pour les joueurs. Dossier de surclassement, accord du club quitté et attestation d'honorabilité. Je vous propose qu'on ne passe pas forcément de temps dessus puisque c'est les mêmes documents que la saison dernière sans aucune modification. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire et je pense que c'est plus intéressant de passer plus de temps sur la suite que sur ça. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet des nouveautés intégrées sur les parcours de dématérialisation des licences. Donc, comme je vous l'expliquais, on va détailler dans un premier temps la nouveauté ici et ensuite on va aller sur Foot Club et sur les parcours dématérialisés pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, un petit rappel déjà sur la saison 2021-2022 pour vous dire qu'il y a plus d'1 107 139 licences exactement qui ont été validées et qui sont issues des parcours dématérialisés, ce qui représente près de 52% de l'ensemble des licences sur la saison.
Donc c'est bien, mais on sait qu'on peut faire encore beaucoup mieux maintenant. Donc, on espère que cette saison, et notamment avec les territoires qui vont imposer l'utilisation de la dématérialisation, on arrivera à un taux d'utilisation qui sera encore plus important dans le futur. Ça représente quand même, hein, ce qu'il faut savoir, plus de 9 800 clubs également. Qui utilisent les parcours dématérialisés. Donc ça, c'est des clubs qui ont au moins une licence validée issue de la DMAS. Donc il y en a certains pour lesquels l'utilisation est déjà monnaie courante et d'autres pour lesquels ça évolue petit à petit. Alors, la première nouveauté, la première grosse nouveauté qui a été ajoutée cette saison, c'est l'ajout des parcours pour les demandes de licence des éducateurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, vous le savez. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les parcours dématérialisés pour les éducateurs sont concernés tout ce qui est renouvellement d'un éducateur ou nouvelle demande. Pour la partie changement de club, il faudra attendre encore un petit peu. Information importante, c'est que la notion d'engagement écrit au recyclage a été complètement supprimée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et dorénavant, si un éducateur n'est pas à jour de sa formation continue, la prise de licence ne sera pas possible. Et ça, c'est valable à la fois pour les parcours standards et à la fois pour les nouveaux parcours dématérialisés. Okay? Donc là, charge à vos éducateurs de bien s'assurer qu'ils sont à jour de leur formation continue, puisque le cas échéant, ils pourraient être amenés à être bloqués pour leur prise de licence. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que l'attestation d'honorabilité qui est nécessaire pour l'ensemble des éducateurs qui ont un accord bénévole avec le club, elle est intégrée directement dans les parcours dématérialisés. Donc, vous le verrez, ça veut dire que si vous faites de la dématérialisation pour les éducateurs, il n'y aura plus à fournir l'attestation papier en plus du bordereau de demande de licence. Ce sera directement intégré dans le parcours côté licencié. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire quelques exemples de parcours, à la fois pour des renouvellements et à la fois pour des nouvelles demandes. Alors, je suis sur le foot club d'un club de ma région, l'US Orléans Loiret Football. Donc là, je suis positionné sur la saison 2021-2022 pour les tests que je fais, mais vous, bien entendu, il faudra que vous soyez attentif à bien être positionné sur la saison 2022-2023 quand vous ferez vos demandes de licence. Donc pour commencer, on va faire des renouvellements d'éducateurs et on va faire le cas d'un animateur ou d'un éducateur fédéral qui a forcément un accord bénévole et ensuite le cas d'un technique régional ou d'un technique national, dans le cadre duquel il y a un petit peu plus d'informations qui sont réclamées. Alors, pour initier un renouvellement dématérialisé d'un éducateur, il faut se positionner dans le menu éducateur de Foot Club. Donc, pour ça, il faut être un utilisateur Foot Club qui a le profil éducateur. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut se rapprocher du correspondant Foot Club de votre club qui pourra vous donner cette habilitation-là. Et une fois que ce sera le cas, vous verrez ce menu éducateur et vous aurez ensuite la possibilité de cliquer sur le bouton renouvellement ici pour pouvoir initier votre renouvellement dématérialisé. Donc, quand on arrive sur cet écran, on retrouve la liste de l'ensemble des éducateurs qui avaient une licence au sein de votre club au cours de la saison précédente, d'accord? Et la possibilité, comme vous le constatez maintenant, de pouvoir initier des demandes de licence dématérialisées pour ces individus-là. Cette colonne qui n'apparaissait pas la saison précédente notamment. Alors, pour ceux qui sont familiers, pardon, avec la dématérialisation, ce n'est pas une surprise, on retrouve exactement le même mode de fonctionnement, à savoir qu'on a un rappel pour chaque individu de l'adresse email principale qui est renseignée sur sa fiche individu, avec la notion de validité de cette adresse mail-là. Donc, quand le petit pictogramme arrobase ici est rouge, c'est que la boîte aux lettres est invalide. Quand elle est verte, c'est qu'elle est valide. Quand elle est rouge, ça empêche de pouvoir initier la demande dématérialisée. Quand elle est verte et donc qu'on sait que l'individu a une adresse mail valide, on peut initier une demande dématérialisée. À tout moment, sur un individu, on a la possibilité de modifier son adresse mail en cliquant sur le petit arrobase ici et très simplement, on peut la remplacer par l'adresse mail qui doit être utilisée. Ouais, d'ailleurs, je ne veux pas la changer. On va laisser pour ne pas faire de modification. Voilà, donc sur cet écran, on retrouve le nom de l'individu, son numéro de personne, sa sous-catégorie de licence la saison précédente, le type d'accord qu'il avait avec le club la saison précédente, la date de fin de contrat ou d'accord de cet accord-là, le diplôme à l'instant T de l'individu et la saison
de fin de recyclage. Donc, c'est cette notion qui est importante et qu'on évoquait tout à l'heure, puisque c'est cette information-là qui va permettre de savoir si oui ou non on va pouvoir renouveler la licence de l'individu. Donc là, en l'occurrence, la quasi-totalité des individus ont un recyclage à fournir, à faire avant la fin de saison 2021-2022. Donc, il y a possibilité d'initier des renouvellements pour eux. Ils sont encore dans les clous puisque je suis encore sur la saison 2021-2022. En revanche, là, il y a un licencié qui devait effectuer son recyclage avant la fin de la saison 2019-2020 et qui ne l'a pas fait. Et bien, comme vous pouvez le constater, la case de renouvellement ici est grisée. Et quand vous passez la souris dessus, vous voyez que l'éducateur n'étant pas à jour de formation continue, sa licence ne peut pas être renouvelée. Et idem sur la partie standard ici, pas possibilité non plus de renouveler sa licence de manière standard. Donc là, pour cet individu-là, il faudra soit se rapprocher de la Ligue si c'est un problème d'affichage ici, soit que l'éducateur concerné se mette à jour de formation continue. D'accord? Alors, nous, on va partir sur le renouvellement. Alors, je vais choisir ici dans les catégories un éducateur fédéral. D'accord? Donc, un éducateur fédéral qui a un accord bénévole hein, de base. Et on va renouveler de manière dématérialisée cet éducateur. Donc, on va prendre l'exemple de Germain Alexandre ici. Je vais cocher la case dématérialisée ici. Et dès que je coche la case, comme vous pouvez le constater, on va me demander quelle va être la fonction et pour quel type de cet éducateur au sein du club pour la saison 2021-2022 en l'occurrence. Donc là, dans les types de fonctions, on retrouve entraîneur principal, adjoint, préparateur physique, entraîneur des gardiens ou responsable école de football. Donc, je vais laisser entraîneur principal. Et ensuite, ici au niveau du type, vous allez pouvoir sélectionner si c'est pour toutes les équipes et catégories du club, pour une catégorie en particulier ou pour une équipe en particulier. Donc là, tout dépend de la situation de votre éducateur. Je vais mettre par exemple pour une catégorie en particulier et je vais dire que c'est pour les U15. D'accord? On va cliquer sur Sauver. Comme vous pouvez le constater, si le service de paiement des cotisations en ligne est actif et que le montant de la cotisation est paramétré sur la catégorie concernée, vous allez pouvoir ici retrouver le montant par défaut qui a été paramétré et éventuellement le modifier si vous avez besoin de le modifier pour cet individu-là précisément, le personnaliser pour cet individu-là précisément. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Valider. Ça va initier le renouvellement dématérialisé de cet individu. Et alors, la petite mécanique qu'il faudra bien avoir en tête, c'est que le menu dématérialisé, lui, reste dans le menu licence ici. Donc, il faudra bien aller dans le menu licence dématérialisée ici, pour ensuite pouvoir suivre l'avis de cette demande. D'accord? Donc là, on retrouve la demande de Alexandre Germain. Rappelle que c'est un éducateur fédéral et que pour l'instant, la demande est au statut prise de contact, ce qui signifie que l'individu a reçu le mail qui va lui permettre de remplir sa demande de licence en ligne et que pour l'instant, il ne l'a pas encore rempli. Si je clique sur le petit œil, je retrouve le détail de la demande avec les informations de fonction et accord que j'ai renseigné au moment où je l'ai initialisé, et le lien vers le formulaire de demande de licence en ligne que je peux éventuellement lui renvoyer si jamais il me disait pour une raison X ou Y qu'il n'a pas reçu l'email qui lui a été envoyé. Alors d'ailleurs, l'email, comme vous pouvez le constater ici, eh ben, il est bien reçu. Alexandre Germain a bien reçu son email qui lui permet ici de remplir sa demande en ligne. Donc moi, je vais repartir du lien qui a été fourni ici et on va se positionner dans le cas du licencié qui va remplir sa demande de licence en ligne. Donc, la partie civilité avec toutes les informations qui existent en base de données qui ne sont pas modifiables, ça ne change pas. Le bloc adresse avec les informations qu'il y a en base de données qui peut éventuellement modifier s'il y a un changement. La partie contact également, téléphone domicile, mobile personnel et email principal. Le rappel de sa fonction et de l'accord qui a été saisi par le club pour être sûr que ce qu'il signe, c'est conforme avec l'accord que lui il a eu avec le club, et la partie autorisation qui concerne la partie offre commerciale de la FFF, des partenaires de la FFF et des coordonnées qui sont diffusées ou pas. Quand on clique sur l'étape suivante, on arrive sur la partie assurance où il doit prendre connaissance des conditions d'assurance fournies par sa ligue régionale, il doit lire en entier le document, il peut télécharger le document et il a la possibilité de dire s'il décide ou pas de souscrire aux conditions aux garanties complémentaires. Excusez-moi. Vient l'étape des pièces justificatives, où là, dans le cas de ce licencié précisément, il doit fournir un certificat médical tamponné et signé. Donc là, on va aller chercher un document, on va l'intégrer, on va cliquer sur étape suivante.
Et on arrive à l'étape de signature électronique où pour les éducateurs bénévoles, il y a maintenant une case à cocher supplémentaire qui est celle qui correspond en fait à l'attestation d'honorabilité des bénévoles. D'accord? Donc plutôt que d'avoir un document spécifique à fournir, on a inclus la partie attestation d'honorabilité sur cette étape de signature électronique et l'individu est obligé de cocher cette case dans laquelle ça dit qu'il certifie avoir pris connaissance des dispositions de l'article du Code du sport dans le cadre de l'exercice à titre bénévole de la fonction d'éducateur, avec toutes les informations qu'il y avait sur l'attestation d'honorabilité. Et comme ça, on sait que, comme il est obligé de cocher sur cette case-là, il a pris connaissance de cette attestation, il atteste en fait de son honorabilité. De la même manière, il y a la petite case à cocher qui permet de certifier l'exactitude des informations fournies dans la demande. Et enfin, il peut signer et soumettre sa demande pour terminer sa demande de licence. Si le service de paiement des cotisations en ligne est actif pour son club, il a la possibilité éventuellement de payer sa cotisation en ligne. S'il ne le souhaite pas, il peut cliquer sur non et passer à l'étape suivante. Enfin, il peut éventuellement renseigner la fiche d'inscription club, sur laquelle on reviendra un tout petit peu plus tard au cours de cette session. Si on se repositionne maintenant du côté du club, on voit que la demande d'Alexandre Germain a basculé en statut contrôle à effectuer. Donc, en tant que club, je vais pouvoir maintenant aller vérifier les informations qu'il a renseignées, vérifier les pièces justificatives qu'il devait fournir et m'assurer qu'elles sont correctes et qu'elles pourront être validées par la Ligue régionale. Et le cas échéant, si j'ai besoin, je pourrais éventuellement modifier la pièce justificative qui a été fournie, si je considère qu'elle n'est pas bonne et qu'il m'en a renvoyé une autre. Et si je me suis trompé aussi sur la fonction sur la fonction que j'ai renseignée au départ, je pourrais également ici la modifier de nouveau le cas échéant. D'accord? Si tout est OK, je peux accepter la demande qui bascule maintenant en attente signature club. Et ça, comme vous le savez, dorénavant, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, il faut être autorisé à signer, donc avoir dans son profil l'habilitation signataire des demandes dématérialisées, pour pouvoir maintenant signer définitivement la demande de licence de cet individu-là et l'envoyer en gros au contrôle de la Ligue régionale. Donc je vais signer la demande et vous voyez, elle disparaît du tableau ici. Et maintenant, si je me positionne sur le menu éducateur liste ici, je vais retrouver Alexandre Germain avec sa licence éducateur fédéral en date du 9 juin, qui est en attente de validation par la Ligue régionale. Donc ça, c'était vraiment le cas d'un renouvellement pour un éducateur fédéral. On va faire la même chose en allant peut-être un tout petit peu plus vite, mais cette fois-ci pour un technique régional, pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a dans le parcours, même si elles sont minimes. Voilà, il y a deux aspects que je voulais vous montrer également. Donc le premier, pour un technique régional, les quelques contrôles qui sont implémentés. Donc là, c'est le cas où l'adresse email de l'individu n'est pas valide. Donc on ne peut pas initier son renouvellement dématérialisé. Ça, c'est le cas où l'individu n'est pas à jour de formation continue. Donc de la même manière, on ne peut pas lancer sa licence. Et ici, il y a également un autre problème. Donc il y a déjà le problème du fait que l'adresse email n'est pas valide. Et en plus de ça, que le diplôme de l'individu ne correspond pas à la catégorie de licence qu'il avait la saison dernière. Ce qui signifie dans ce cas-là, en fait, qu'il faut demander une nouvelle licence pour que la nouvelle licence prenne la bonne catégorie en rapport avec le niveau de diplôme actuel de l'individu. Voilà, lui, il était technique régional. Il a maintenant un niveau de diplôme qui lui permet d'avoir une licence technique nationale. Donc ça ne doit pas passer par un renouvellement, mais ça doit passer par une nouvelle demande. Nous, pardon, j'ai cliqué un peu vite. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renouveler, par exemple, Bastien Boutet, qui avait un. Alors, non, plutôt Beaujoin Jérémy, c'est un bon exemple, qui avait un accord bénévole en tant que technique régionale, qui a pris fin le 30 juin 2021, avec un diplôme BEA. Ben non, ce n'est pas le bon exemple, puisque lui, il a une licence qui n'est pas valide. Donc, on va prendre Boutet Bastien. Non, Carrière Théo, c'est bon, je l'ai retrouvé, pardon. Carrière Théo. Donc, quand je vais cocher sa case ici, j'ai une petite pop-in qui apparaît, mais avec un petit peu plus d'informations, comme vous pouvez le constater, puisque comme on est sur un technique régional ou un technique national, en plus des informations de fonction type et éventuellement d'équipe ou de catégorie, on va devoir renseigner les informations de l'accord entre l'éducateur et le club. Donc sur les trois premiers champs, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça peut être par exemple pour toutes les équipes et catégories du club.
Et ici, au niveau de l'accord, vous allez avoir la possibilité de dire si c'est un accord bénévole, un contrat aidé, un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Puis on va dire par exemple que ça part sur un contrat à durée indéterminée maintenant, avec un salaire de 1500 euros pour 35 heures par semaine, avec une date d'effet qui commence à aujourd'hui et une date d'expiration qui est vide, puisque comme c'est un CDI, bah, il n'y a pas de date d'expiration à ce stade. Je clique sur Sauver. De la même manière, je peux éventuellement modifier le montant de sa cotisation et je peux cliquer sur Valider. Je retourne dans mon menu Licence dématérialisée ici. Je vais retrouver la demande de Théo Carrière, qui, de la même manière que tout à l'heure, a reçu un mail de son côté pour remplir sa demande de licence en ligne. Je vais utiliser le lien ici pour remplir la demande de licence, donc les mêmes informations que tout à l'heure. Dans la partie Fonction et accords, on voit le détail qui a été saisi par le club, avec le salaire, le nombre d'heures et la date d'effet. Comme ça, l'individu est bien au courant de ce qu'il signe. L'étape suivante qui concerne la partie assurance, sur laquelle on va passer très vite puisque c'est la même chose. Et l'étape des pièces justificatives, sur laquelle il y a un petit peu plus d'informations à renseigner, puisqu'il passe d'un accord bénévole à un accord contractuel. Donc on lui demande son certificat médical, puisqu'il ne devait pas en avoir de valide. Sa photo d'identité, puisque celle qu'il avait dans celle qu'il a, il, qui est en base de données n'est plus à jour. Et ensuite, la copie du contrat de travail. Donc là, je mets n'importe quoi, mais vous avez compris le principe. La copie du contrat de travail établi par le club, la carte professionnelle ou l'attestation. Et il peut passer à l'étape suivante. Comme on est sur un accord qui n'est pas bénévole, on n'a pas la partie attestation d'honorabilité qui apparaît. Et là, il peut certifier sur l'honneur l'exactitude des pièces justificatives et des renseignements fournis et soumettre sa demande. Quand sa demande est soumise, il y a la partie cotisation qui apparaît, il choisit ce qu'il veut faire et il peut terminer comme ça. Côté club, la demande est passée en statut contrôle à effectuer, le récapitulatif de la demande en cliquant sur le petit œil, le récapitulatif de l'accord qui est visible aussi ici, la possibilité de consulter toutes les pièces justificatives fournies. Donc là, bien entendu, moi j'ai mis n'importe quoi pour la démo qu'on est en train de faire, mais il faudra bien entendu que toutes les pièces soient correctes pour que la demande puisse basculer de l'autre côté. Si jamais il y a besoin de modifier des documents, vous pouvez toujours utiliser le bouton Modifier, sachant que, comme vous pouvez le voir, par contre, la partie fonction et accord dans ce cas-là n'est pas modifiable, puisque c'est la partie fonction et accord qui détermine les pièces qui sont demandées, et donc on ne peut pas les modifier une fois qu'elles ont été saisies initialement. Dans ce cas-là, si jamais vous vous êtes trompé, il faudra rejeter la demande pour en saisir une nouvelle. Une fois que ça c'est fait, on peut accepter la demande, et ensuite, parcours classique de la dématérialisation, en attente de signature club, on peut signer électroniquement la demande et la faire basculer pour qu'elle soit contrôlée par la Ligue. On va ensuite la retrouver dans le menu Educator List qui est juste ici. En technique régionale, Théo Carrière en attente de validation. La partie accord ici se mettra à jour qu'à partir du moment où la Ligue régionale aura validé l'accord et la licence. Voilà pour les cas de renouvellement dématérialisé des éducateurs. Donc juste bien faire attention où on est positionné, bien dans le menu éducateur renouvellement, et ensuite, bah, on suit le chemin. Normalement, c'est assez intuitif. Et normalement, ça devrait vous permettre de gagner quand même pas mal de temps. Maintenant, si vous avez une nouvelle demande de licence éducateur à faire, ben, vous allez le faire depuis le menu licence dématérialisée, comme pour les autres nouvelles demandes de manière dématérialisée, pardon. Et quand vous allez cliquer sur le bouton Créer une nouvelle demande ici, vous avez un petit plus, et vous avez un nouveau type de licence qui apparaît dorénavant, qui est le type de licence éducateur. Donc là, bah, on est sur le même principe que pour les autres types de demandes. Vous allez devoir renseigner le nom, prénom, la date de naissance, la ville de naissance, pays de naissance, nationalité, pays de nationalité, le montant de la cotisation que vous voulez faire payer à cet individu et l'adresse email de l'individu. Donc là, je vais reprendre, juste j'ai pris quelques exemples pour vous montrer. Donc pour un animateur, alors on va le faire. Donc Culot Jean-Marc est né le 20 octobre 1960. Voilà, à Vouziers. OK, donc on va dire que pour lui, le montant de la cotisation, c'est 50 euros. Et ensuite, ici, on va mettre une adresse mail et on va valider. Quand on fait ça, on va rechercher l'individu qui correspond aux critères de recherche. Et comme vous pouvez le constater, pour un éducateur, il n'y a pas la possibilité de créer un nouvel individu. On doit forcément repartir d'un individu qui est déjà existant, puisque
pour avoir une licence éducateur, il faut avoir suivi un cursus de formation et être à minima diplômé. Donc, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de possibilité d'avoir une licence éducateur. Donc là, en l'occurrence, cet individu-là, on voit qu'il est né le 20 octobre à Orléans et qu'il a un diplôme U11. Je vais pouvoir donc lancer la demande et comme tout à l'heure, je vais devoir renseigner ces informations de fonction au sein du club. Donc, je vais dire que lui, bah, c'est par exemple l'entraîneur des gardiens pour une équipe en particulier, puis je ne sais pas, par exemple pour les U15 R1 du club. Je vais cliquer sur Valider. Le dossier se crée et j'ai ma nouvelle demande en statut prise de contact qui est disponible ici. Et ensuite, on montre dans le même type de parcours que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les renouvellements. Donc, je vais y passer très, très, très vite pour vous montrer qu'il n'y a quasiment pas de différence, à part le fait qu'on est sur une nouvelle demande ici. On récupère toutes les informations de l'individu qu'on lui propose et qui peut modifier éventuellement. On a l'étape d'assurance à renseigner, l'étape des pièces justificatives en fonction de sa situation et de ce qu'il a déjà fourni par le passé. Et comme on est sur un accord bénévole, puisque c'est un animateur, la partie attestation d'honorabilité qui peut checker ici. La partie cotisation, s'il a envie de payer sa cotisation en ligne. Et voilà. Je reviens côté club, la demande contrôle à effectuer avec la pièce justificative à contrôler. Je vais volontairement très vite, vous avez compris le principe et on a d'autres choses à voir. Et en attente signature club ici pour pouvoir la faire basculer de l'autre côté. Maintenant, un petit cas pour une nouvelle demande pour un éducateur qui n'est pas à jour de formation continue. Donc là, si jamais vous tombez sur un éducateur pour lequel c'est le cas, par exemple le Duodic Maxime, qui est né le 24 octobre 1995 à Pontivy. Et bien là, avec un montant de cotisation, on va mettre 0 si jamais vous ne voulez pas lui faire payer sa cotisation en ligne. Voilà. Je vais valider, on va bien retrouver l'individu. Donc là, on voit qu'il a un BEF, mais que son recyclage devait être fait avant la fin de saison 2020-2021. Donc là, en l'occurrence, quand on va cliquer sur l'individu, ça va nous dire demande impossible car la personne n'est pas à jour de sa formation continue. Donc là, dans ce cas-là, pareil, il faut se rapprocher de la ligue ou de l'individu pour voir ce qu'il en est. Enfin, dernier cas, c'est le cas d'un technique régional en nouvelle demande, donc par exemple Carval Maxime ici. Voilà. Il est né le 8 juillet 1995 à Quimper. Je vais cliquer sur valider. Donc lui, il est dans les clous puisqu'il a un BEF avec un recyclage qui devait être fait avant fin de saison 2021-2022. Donc moi, sur la saison 21-22, je peux encore faire sa demande. Et là, je vais devoir renseigner les informations de sa fonction et de l'accord au sein du club. Donc, pareil, on va dire que c'est l'entraîneur adjoint de l'équipe de l'US Orléans en national, que c'est un contrat à durée indéterminée. Et je vais mettre pareil que tout à l'heure. Et je vais valider. Et là, je ne vais pas aller au bout de la demande. Vous avez compris le principe, c'est exactement la même chose. L'individu renseigne son formulaire en ligne, vous faites le contrôle côté club et ensuite la demande bascule à contrôler. Donc voilà pour tout ce qui concerne les parcours de demande de licence des éducateurs qui ont été implémentés pour cette nouvelle saison. Je passe à la suite. Autre nouveauté qui était très attendue par certains d'entre vous, c'est la possibilité dorénavant d'imposer l'envoi des pièces justificatives aux licenciés. Jusqu'ici, vous le savez, dans la dématérialisation, on était parti du principe que le licencié n'était pas dans l'obligation de transmettre les pièces justificatives quand il remplissait son formulaire. Et donc, de fait, bah, très souvent, c'était vous qui étiez obligé d'aller à la chasse aux informations et à la récupération des documents pour pouvoir ensuite les réintégrer. Et faire aboutir les demandes de licence. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de dire bah, chaque licencié devra, dans son formulaire de licence en ligne, fournir les pièces justificatives qui sont nécessaires à sa demande. Donc, pour ce faire, il y a un nouveau paramètre qui a été intégré, qui est accessible depuis le menu Réglages en haut à droite, vous allez le voir. Et si vous positionnez ce paramètre à oui, les licenciés seront dans l'obligation de transmettre leurs pièces justificatives. Si vous laissez le paramètre à non, ce sera exactement comme c'était le cas jusqu'ici, c'est-à-dire qu'ils pourront passer l'étape des pièces justificatives sans forcément avoir à les fournir. Alors concrètement, comment ça se traduit? Eh bien ici, sur mon club de l'US Orléans-Loiret, vous voyez que maintenant, il y a un petit bouton en haut à droite qui s'appelle Réglage.
Quand je clique dessus, j'arrive sur la partie de paramétrage de la dématérialisation. Et ici, j'ai un champ qui s'appelle pièce justificative, avec un libellé qui dit rendre obligatoire l'envoi des pièces justificatives par les licenciés lors de la saisie du formulaire en ligne. Quand vous passez la souris sur le petit i ici, vous avez le détail des informations qui vous disent ce qui va se passer en fonction de ce que vous allez mettre comme paramètre. Et si vous le basculez à oui, et bien maintenant, à partir de ce moment-là, tous les licenciés du club qui remplissent le formulaire de demande de licence vont être dans l'obligation d'envoyer les pièces justificatives. Donc, on va faire un cas. Je vais créer une nouvelle demande, maintenant que j'ai changé de paramètre, pour un joueur. Je vais mettre test envoi pièce. On va dire que c'est quelqu'un qui est né au 1er janvier 70 à Orléans. Voilà, c'est une licence libre. Rien de particulier sur la demande de licence derrière. Je vais cliquer sur valider. Je vais dire que c'est une nouvelle personne, peu importe. Et ma demande va se créer. Quand le licencié va arriver sur l'étape des pièces justificatives dans son parcours de demande de licence en ligne, donc là je vais renseigner. Les informations, comme c'est un nouvel individu, je dois tout remplir. Je regarde la partie assurance, je donne les infos ici. Et comme vous pouvez le voir, je vais zoomer un petit peu peut-être pour que ce soit plus lisible pour tous. Ici, l'individu doit fournir un certain nombre de pièces justificatives dans le cadre de sa nouvelle demande de licence. Et ici, la petite mention lui dit que maintenant, il doit fournir les pièces justificatives pour passer à l'étape suivante. Donc en fait, quand vous modifiez le paramètre qu'on a vu à l'instant, la mention qui est ici est modifiée en conséquence et informe l'utilisateur qu'il doit fournir les pièces justificatives pour passer à l'étape suivante. Donc là, si je clique sur l'étape suivante, vous voyez, le formulaire est incomplet et je ne peux pas aller faire ma signature électronique. Je suis obligé d'aller chercher mes documents. J'ai cliqué plusieurs fois, donc le message apparaît plusieurs fois. Voilà, donc ma pièce d'identité, mon certificat médical. Et là, par exemple, si j'en ai oublié une seule et que je clique sur étape suivante, bah de la même manière, tant qu'il n'a pas fourni l'ensemble des pièces justificatives qui sont nécessaires à sa demande, il ne peut pas passer à l'étape suivante. Et c'est seulement une fois que toutes les pièces sont fournies que là, il peut aller procéder à son étape de signature électronique. Donc ça, c'est très important, en effet, puisque ça vous permet de vous assurer, vous, de votre côté, que vous n'aurez plus de demandes qui arrivent avec des pièces qui sont manquantes. Donc peut-être que ça peut être très intéressant. Sachez également que le paramétrage ici, il est instantané, d'accord? C'est-à-dire que si vous le modifiez en cours de saison, eh ben, les licenciés qui rempliront leur formulaire à partir du moment où vous avez fait cette modification, auront ou pas l'obligation en fonction de ce que vous avez paramétré à l'instant T. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et sachez que c'est possible et que vous pouvez le mettre en œuvre dès à présent. Ensuite, autre nouveauté importante qui était très attendue, c'est en ce qui concerne les licences multiples pour quelqu'un, par exemple, qui a à la fois une licence joueur et à la fois une licence dirigeant dans le même club, dans la même saison. Ben jusqu'ici, la dématérialisation, elle redemandait pour la licence dirigeant parfois les mêmes pièces qui avaient déjà été fournies pour la licence joueur. Voilà, donc ça, pour tous ces cas-là de licences multiples au sein d'un même club, c'est plus problématique et dans le cadre des licences supplémentaires que le licencié prend, il n'y a plus les pièces justificatives à refournir le cas échéant s'il y en a déjà qui sont valides pour la saison en cours. Donc on va prendre un exemple très concret. Je vais prendre cet individu-là, Victor Boron, qui a déjà une licence joueur, comme vous pouvez le constater, sur la saison 2021-2022, donc une licence joueur qui est valide, au sein de laquelle il a fourni un certificat médical et il a fourni une photo à jour. Okay. Et bien maintenant, si pour cet individu, je fais une licence dirigeant, donc je vais créer une nouvelle demande dirigeant ici, en renseignant ces informations. Donc, 24 mars 2000. Ah, je ne sais pas, je crois que c'était pour les Hop. Donc, je vais bien retrouver l'individu. Je vais pouvoir initier sa nouvelle demande de dirigeant. D'accord? Et quand il va remplir son formulaire de demande de licence en ligne,
eh bien, il va pouvoir regarder si toutes ces informations de coordonnées et de contact sont toujours OK. Il va pouvoir renseigner la partie assurance. Et surtout, quand il va arriver sur la partie pièce justificative, on va lui dire qu'il n'a pas de pièce justificative à fournir dans le cadre de cette demande de licence-là, puisque celles fournies pour sa licence du joueur sont prises en compte. Donc, il peut aller au bout de sa demande. Côté club, dans ce cas-là, bah vous, c'est encore plus facile puisqu'il n'y a aucune pièce justificative à contrôler. D'accord? Donc, vous pouvez accepter la demande une fois qu'elle a été remplie par le licencié et vous pouvez la signer dans la foulée pour qu'elle bascule du côté des licenciés actifs. Et donc là, comme en plus il n'y avait pas de pièce justificative à vérifier, la demande de licence est automatiquement validée et le licencié est tout de suite effectif. Voilà pour cette partie. Il nous reste plus beaucoup de choses, encore une dizaine de minutes, j'aurais tendance à dire pour ceux qui voudraient savoir. Alors, autre petite nouveauté qui a été intégrée dans les parcours dématérialisés, c'est l'ajout d'un filtre contrôle à effectuer pièces manquantes. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Alors, c'est sûr que si vous activez le fait que les licenciés sont dans l'obligation d'envoyer les pièces justificatives au sein, enfin, quand ils font leur formulaire, leur demande de licence en ligne, pardon, vous en aurez de moins en moins qui seront concernés par ce qu'on va se dire là. En revanche, pour ceux qui ne l'activeront pas, vous avez un nouveau filtre à disposition qui vous permet d'identifier facilement toutes les demandes qui sont dans le statut contrôle à effectuer, donc ça veut dire pour lesquelles le licencié a rempli la demande de licence en ligne, mais pour lesquelles il manque au moins une pièce justificative pour pouvoir aller plus loin concernant cette demande. D'accord? Donc tout simplement, je vais vous le montrer aussi, mais dans le cas d'un autre club qui a plus de demandes au niveau des tests ici. Donc là, par exemple, sur ce club-là, il y a 113 demandes dématérialisées qui sont en cours. Il y en a un certain nombre qui sont en prise de contact, d'autres en attente signature club, d'autres en contrôle à effectuer et d'autres en contrôle à effectuer avec le petit point d'exclamation. Et vous vous rappelez, le petit point d'exclamation, ça signifie que sur cette demande-là, il manque des pièces pour pouvoir aller plus loin. D'accord? Eh bien, si vous voulez voir tout de suite toutes les demandes de licence pour lesquelles il manque des pièces, ici, vous avez dans la partie statut contrôle à effectuer pièces manquantes qui est maintenant disponible. Vous cliquez sur rechercher et automatiquement, ça va vous afficher toutes les demandes qui sont concernées. Et grâce à ça, facilement, vous allez pouvoir maintenant relancer tous les licenciés et leur demander les pièces manquantes. Vous cliquez sur demander les pièces manquantes ici, le licencié est relancé et vous vous rappelez, pendant 7 jours, vous ne pouvez plus lui redemander les pièces ou jusqu'à ce qu'il ait de nouveau fourni les pièces. Voilà. Donc là, hop, je peux envoyer mes rappels de pièces manquantes, comme ça les licenciés reçoivent un mail, je vais vous le remontrer pour ceux qui auraient oublié, qui leur dit que leur demande de licence est incomplète, qu'ils doivent envoyer des documents manquants avec la liste des documents concernés et la possibilité pour eux, en cliquant sur transmettre les documents, d'envoyer ces documents qui sont manquants. Voilà, donc c'est une petite nouveauté, mais en tout cas, ça peut être utile quand même pour vous, je pense, en termes de gestion au quotidien. On poursuit. On a apporté également cette saison quelques améliorations, même si ce n'est pas encore 100% peut-être parfait pour certains, mais en tout cas un certain nombre d'améliorations sur la partie fiche d'inscription. Vous savez, la petite rubrique qui permet de récupérer des informations supplémentaires sur les licenciés, en plus des informations réglementaires qui sont demandées dans le cadre de la demande de licence en ligne. Donc, sur cette fiche d'inscription, il y a un gros travail qui a été fait par un groupe de travail à la fédération qui s'appelle Digitalisation des clubs. Qui a travaillé sur l'harmonisation et la rationalisation des questions qui étaient présentes dans ce questionnaire-là. Ce qu'il faut savoir, c'est également que l'ensemble des réponses qui sont données sur ce formulaire d'inscription sont dorénavant disponibles dans l'export Excel qui est accessible dans le menu de dématérialisation et qu'il y a dorénavant la possibilité de paramétrer les blocs que vous voulez faire remplir à vos licenciés dans le même menu de réglage qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de dire si vous voulez obliger les pièces justificatives ou pas. D'accord? Donc on va voir tout ça très rapidement. Je vais retourner sur l'écran licence dématérialisée ici. Dans le menu réglage ici en haut à droite, vous voyez qu'il y a une partie qui s'appelle fiche d'inscription, qui était avant accessible par un autre menu qui s'appelait fiche d'inscription spécifiquement, et au sein duquel vous allez pouvoir sélectionner les blocs à intégrer à la fiche d'inscription. Okay. Donc à chaque fois, il y a des petits i informatifs et en passant la souris dessus, vous avez le détail de ce qui sera contenu dans le bloc.
D'accord? Donc ça peut être intéressant pour savoir ce que vous allez poser comme question au licencié. Donc il y a un bloc qui concerne la partie autorisation, un bloc qui concerne la partie participation à la vie du club, et un bloc qui concerne la partie mensuration pour la dotation d'équipement. Okay? Donc vous pouvez cocher ou décocher les blocs en fonction des questions que vous voulez que les licenciés répondent. Donc je clique sur valider, donc comme ça tous mes blocs vont apparaître. Et en fait, ce que ça va générer, c'est que chaque licencié, quand il remplit sa demande de licence en ligne, donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est en prise de contact ici, Carval Maxime, pour lequel on n'a pas été au bout tout à l'heure. Hop. Quand il remplit sa demande de licence, donc là c'est un technique régional. Voilà. Donc là, je vais devoir mettre mes pièces puisque j'ai dit que c'était obligatoire dorénavant. Je mets n'importe quoi. Hein. Encore une fois, je clique sur l'étape suivante, je signe la demande, voilà. Et ici, tout de suite, le licencié, dès la fin de sa demande de licence en ligne, il va avoir la possibilité d'accéder à cette fameuse fiche d'inscription en cliquant sur le bouton Maintenant et de pouvoir renseigner toutes ces autres informations qui sont nécessaires à la vie du club. Alors pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut intégrer de manière obligatoire dans le cadre des parcours de demande de licence, donc forcément. Bah, ne le rempliront que les licenciés qui ont la volonté de le remplir. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi pour voir après de quelle manière on peut peut-être le rendre peut-être un peu plus obligatoire pour l'ensemble des licenciés qui sont concernés. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une fois que le licencié a rempli sa demande de licence en ligne, il a toujours possibilité d'accéder à ce formulaire-là en recliquant sur le lien Remplir le formulaire qu'il a reçu dans l'email de demande de licence. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Et donc là, on retrouve les questions sur la partie autorisation, donc au niveau de la santé, autorise le responsable du club à prendre les mesures nécessaires concernant sa santé, demande à ce que là où les personnes suivantes soient contactées par le responsable du club. Quand on coche ça, on peut renseigner test santé PR 0001, je mets n'importe quoi encore. Hein. Voilà, on peut renseigner des informations de la personne concernée, indiquer toutes les difficultés de santé en précisant la conduite à tenir, maladie, accident, crise allergique, etc. Donc là, je sais pas, je mets n'importe quoi, rhume par exemple. Droit à l'image, donc est-ce que le licencié autorise le club à utiliser son image sur les supports officiels, etc. Et ensuite, la partie participation à la vie du club qui concerne les activités sportives, est-ce qu'il est prêt à s'investir dans là ou les missions suivantes, accompagnement d'équipe, encadrement, arbitrage ou autre qui peut préciser. La partie activité associative, avec la possibilité de s'investir dans la participation à l'organisation d'événements, la communication, la recherche de partenariats ou autre. La fréquence à laquelle il serait disponible pour participer à ces activités. Et la partie mensuration, où là, il va pouvoir dire quelle est la taille de ses vêtements dans le cadre d'une dotation et quelle est la pointure de ses pieds, le cas échéant. Engagement et signature, avec quelques éléments qu'il doit cocher pour pouvoir valider le formulaire. Et quand il clique sur le valider, on l'informe qu'on a bien reçu sa fiche d'inscription club. D'accord? À partir de ce moment-là, le club, lui, dans l'export Excel ici, peu importe le statut de la demande, il va pouvoir retrouver toutes ces informations. D'accord? Donc là, vous allez voir, ça va être un peu lisible pour vous. Mais on retrouve toutes les informations de Carval Maxime ici, avec son nom, son numéro de personne, sa sous-catégorie. Donc toutes les informations de sa demande de licence en ligne et toutes les informations auxquelles il a répondu dans la fameuse fiche d'inscription. D'accord? Donc là, vous allez retrouver tous ces éléments-là. Okay? Donc ça, en termes d'exploitation de données pour vous, après, ça peut être intéressant. Alors même si pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire et donc forcément, bah, peut-être tous vos licenciés ne vont pas le remplir. Pour ceux qui arriveront à faire en sorte qu'il y ait le maximum qu'ils remplissent, ben ça peut être une source de données qui est quand même importante, sachant que pour l'instant, on le sait, il y a un certain nombre de ces données que vous ne pouvez pas réexploiter par ailleurs, et ça, c'est vraiment un travail sur lequel il va falloir qu'on avance dans les prochains mois. Je reviens sur ma présentation. Donc voilà, vous l'avez compris, cette partie-là de fiche d'inscription. Autre chose qui a été mise en œuvre cette saison, c'est l'intégration sur le mail d'attestation de licence que reçoit chacun des licenciés, de la possibilité d'ajouter son attestation de licence à son wallet mobile. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en gros, vous avez la possibilité, quand on a un smartphone, d'avoir un wallet avec ses cartes bancaires, des cartes de préférence, ce genre de choses.
ben vous avez la possibilité dorénavant d'intégrer votre attestation de licence FFF directement de son wallet, dans ce wallet et ainsi de pouvoir ben, la présenter le cas échéant quand vous avez besoin dans certains cas. Donc ça, quand l'individu reçoit son email d'attestation de licence, que je dois pouvoir retrouver voilà, par exemple ici, eh bien, il a deux boutons en fonction de l'OS de son téléphone, soit Google Pay, soit Apple Wallet pour ceux qui utilisent des téléphones Apple. Et en cliquant sur le bouton, bah, ça lui donnera le parcours qui lui permettra d'intégrer son attestation dans son wallet. Voilà, ça c'est une petite nouveauté, mais intéressante pour les licenciés qui peuvent en avoir besoin. Et enfin, quelques nouveautés diverses sur lesquelles on ne va pas forcément passer beaucoup de temps, mais qu'il faut que vous connaissiez. On a supprimé la possibilité de copier-coller l'email dans la popine de nouvelles demandes. Donc ça, c'est tout simplement ici. C'est vrai qu'il y avait la possibilité jusqu'ici de faire un copier-coller du champ. Donc si on faisait une erreur dans le premier email, bah forcément, on l'a répété dans le deuxième. Dorénavant, il n'y a plus cette possibilité. On est obligé de ressaisir deux fois dans les deux champs l'email de l'individu. La saisie du code postal de ville de naissance qui est obligatoire si le pays de naissance est France métropolitaine. Vous le savez, la saisie du code postal de ville de naissance est obligatoire depuis la saison dernière. On avait un petit trou dans la raquette quand le pays de naissance choisi était France métropolitaine, puisqu'on a cette possibilité dans le référentiel, donc ça on l'a corrigé. On a également ajouté, alors ça c'est peut-être pas visible, mais c'est vraiment de la robustesse dans l'application de dématérialisation, des spinners lors du lancement des recherches ou des actions qui permettent d'éviter que vous cliquiez ailleurs quand il y a quelque chose qui se passe en off quand vous avez cliqué sur un bouton d'action. On a ajouté des textes médicaux sur l'étape des pièces justificatives, notamment en ce qui concerne les joueurs, pour être en conformité avec les bordereaux de demande de licence papier, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'ici. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et enfin, on a ajouté les logos des clubs sur le formulaire licencié, comme vous l'avez peut-être constaté, ce qui permet de personnaliser un petit peu plus la demande de licence par rapport à votre club. Donc juste en lien avec ce que j'évoquais à l'instant, si je vais par exemple renouveler un licencié mineur qui n'a pas à fournir de certificat médical, je vais prendre un U13, hein. Peu importe. Voilà le premier, ou le deuxième, enfin le troisième en l'occurrence. Quand je vais ici sur son formulaire de demande de licence en ligne, donc je passe très vite, même si je ne vais pas pouvoir, puisqu'il faut que je renseigne ces informations. Je mets hop, encore une fois des choses très rapides pour pouvoir aller à l'essentiel. Voilà. Et bien ici, voilà, comme vous pouvez le constater, comme c'est un mineur pour une demande de licence joueur, ben, on lui informe les mêmes informations que sur le bordereau de demande de licence papier, à savoir que pour lui, le certificat médical n'est pas obligatoire, en disant que ce principe est applicable uniquement si la condition suivante est respectée. On lui dit qu'il peut répondre au questionnaire de santé disponible ici, avec le lien vers le questionnaire de santé qui le concerne lui spécifiquement, et qu'il peut attester d'une réponse négative à toutes les questions ci-dessous, et que dans le cas contraire, il doit fournir un certificat médical avec le modèle qu'il peut télécharger ici, donc pareil, avec le lien vers le modèle de certificat médical qu'il peut télécharger, qui ne sera valable que pour la saison en cours. Voilà. Et ensuite, la possibilité, bah, comme d'habitude, d'attester des réponses qu'il a données. Donc ça, c'est vrai que ce n'était pas tout à fait le cas sur les saisons précédentes. Et là, on est vraiment raccord avec les bordereaux de demande de licence papier. Et ce sera très clair pour l'ensemble des licenciés quand ils feront leur parcours de demande de licence. Voilà. Voilà, et eh bien écoutez, juste vous rappeler également qu'il y a des supports de formation qui sont disponibles à deux endroits, sur la chaîne YouTube e-learning FFF avec le lien que vous voyez là qui vous sera transmis, sur laquelle vous retrouverez un ensemble de vidéos tutoriels, notamment faites par mon collègue Karim qui est avec moi sur cette réunion et qui vous explique de manière très simple comment utiliser la dématérialisation pour votre club. Et la foire aux questions, qui est un gros travail sur lequel on œuvre aussi régulièrement, qui est accessible depuis le menu cotisation ou le menu dématérialisation en cliquant sur le bouton foire aux questions ici, et à partir de laquelle bah, vous allez pouvoir retrouver aussi tout un tas d'informations et de tutoriels d'informations sur l'utilisation de la dématérialisation, de la cotisation en ligne, et même de manière plus générale sur l'ensemble des services digitaux qui sont mis à votre disposition en tant que club. Donc ça, n'hésitez pas à aller y faire un tour régulièrement, puisqu'on la met à jour très souvent, avec l'ensemble des nouveautés, des informations qui vous sont utiles pour faire votre travail dans de bonnes conditions.
Voilà, écoutez, ce que je vous propose, on a peut-être débordé un tout petit peu et je m'en excuse le cas échéant, mais ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne peut-être encore 10 petites minutes pour ceux qui le souhaitent pour regarder certaines de vos questions que Karim pourra m'énoncer, y répondre dans la mesure du possible, et puis sinon, on pourra clôturer et puis vous pourrez retrouver le lien vers cette session de formation ultérieurement. Karim? Est-ce que tu as pu identifier un certain nombre de petites questions auxquelles on pouvait répondre rapidement? Alors oui, bonjour dans un premier temps. On a beaucoup de questions. Donc Vas-y. déjà, désolé si j'ai pas pu répondre à tout le monde. Donc la première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce webinaire sera disponible en replay? Bien sûr, bien sûr. Alors justement, juste sur la slide d'après, on vous rappelle que pour revoir le webinaire, il vous suffit de cliquer sur le même lien que celui qui vous a permis d'assister à ce webinaire pour disposer de l'enregistrement, qu'on va vous envoyer le document support par email à tous ceux qui ont participé et que vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis par email. Donc, bien entendu, vous pourrez le revoir et vous pourrez même le diffuser à d'autres personnes si besoin. Okay. Du coup, la seconde question, pardon. Si un éducateur a fourni un certificat médical la saison dernière du coup la saison 2022-2023, en plus d'être éducateur, il souhaite faire une demande de licence joueur, aura-t-il besoin de fournir un certificat médical, aura-t-il besoin de fournir un nouveau certificat médical? Sachant que certificat médical pour les éducateurs, à partir de cette saison, c'est 3 saisons. Alors, sachant que s'il était juste éducateur la saison dernière et pas joueur, il faudrait revoir ce qu'il y a sur le. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais juste regarder sur le certificat médical éducateur la mention qui dit présente l'absence de contre-indication médicale à la pratique et l'encadrement du football. Mais ça ne parle pas de pratique du football en compétition. Donc, à mon avis, dans ce cas-là, il faudra quand même, pour la licence joueur, refournir un certificat médical qui mentionnera l'absence de contre-indication médicale à la pratique du football en compétition, ce qui n'est pas le cas sur la partie médicale des éducateurs. Ok. Pardon. Du coup, il y a une question aussi qui se pose assez régulièrement, c'est comment savoir si le joueur doit faire le certificat médical ou pas? Dans Foot Club, il y a une édition. Est-ce que tu peux leur montrer comment effectuer justement cette édition rapidement? S'il te plaît. Bien sûr, très bonne remarque. Donc dans le menu dans Foot Club, dans le menu licence, édition et extraction, quand vous faites votre édition de licencié et que vous faites, alors d'ailleurs je vais me positionner sur la saison précédente, ce sera plus parlant. Si vous faites votre édition de licencié et que vous utilisez l'extraction Microsoft Excel ici, que vous utilisez la liste standard, par défaut dans la liste standard, il y a un champ validité du certificat médical N plus 1 qui apparaît. Et donc, quand vous lancez cette extraction, alors là, peut-être qu'il y a beaucoup de licenciés, donc maintenant, ça prend pas trop de temps. Hop. Quand vous lancez cette extraction, vous avez ici une colonne pour chaque licencié qui s'appelle Validité certificat médical pour la saison N plus 1, qui vous permet de savoir si le certificat médical sera non valide ou s'il sera valide sous réserve des réponses au questionnaire de santé. Ok. Est-ce que les éducateurs peuvent avoir 2 licences dans 2 clubs différents? Non. Wow, il y en a beaucoup qui sont déçus. Ok. Alors, là, on a une question qui est un peu technique. Alors, il y en a plusieurs. Un éducateur qui devait se recycler cette saison, mais qui ne l'a pas fait, qui se recyclera en novembre, pourra-t-il avoir une licence éducateur? Bah là, c'est un après, c'est à voir directement avec la Ligue régionale, notamment. Je ne sais pas répondre à cette question, donc on pourra poser la question de notre côté, à la DTN notamment, et apporter une réponse ultérieurement. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas y répondre. D'accord. Du coup, on a une autre question qui est un peu technique. Nous avons des éducateurs qui ont obtenu un CFF. Je sais pas déjà si tu vois ce que c'est. On est bon? Ouais, bien sûr. Ok. Sur l'un, on voit son diplôme, mais à jour. Sur l'autre, pas. Pouvons-nous faire une demande d'éducateur fédéral pour les deux? Voilà, si, y a un problème de données qui sont affichées par rapport à la situation de l'individu, encore une fois, dans ce cas-là, il faut se rapprocher de la Ligue régionale pour voir quel est le problème. Mais le cas échéant, si la personne a bien suivi ce cursus de formation et que le cursus est validé, il n'y a pas de raison d'empêcher la demande de licence. Okay.
Peut-on rappeler également l'âge minimum pour faire une demande d'éducateur pour les mineurs? C'est une excellente question qu'on peut vérifier très rapidement malgré tout. Je vais vérifier en parallèle des réponses que je donne et puis je vais y apporter une réponse juste après. Ok. Là, je veux prendre une question un peu sur le volet. Tac, 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 tac. Hop là. Ah oui. Du coup, pour les membres du bureau, je ne sais pas si tu l'as montré, est-ce qu'on peut montrer justement comment renouveler les licences des membres du bureau, sachant que cela est obligatoire pour accéder à la rubrique dématérialisée et à la rubrique renouvellement? Bah, en fait, alors déjà, tout dépend du territoire sur lequel vous êtes positionné. Tous les territoires ne l'imposent pas, mais pour les territoires qui l'imposent, en début de saison, quand vous vous connectez à Foot Club et que vous essayez d'accéder à un menu qui vous permet de faire des demandes de licence, vous allez devoir, dans un premier temps, valider le bureau de votre club, donc le mettre à jour si ce n'est pas le cas, et ensuite le valider. Et ensuite, il faudra procéder à des demandes de licence dirigeants, ou en tout cas, des demandes de licence par rapport à leur spécificité, des personnes qui sont membres de ce bureau-là, et il faudra que ces licences soient validées pour que les licences de vos autres licenciés soient validées dans le futur. Donc ça se fait de la même manière que pour les autres types de demandes de licence, hein. C'est juste la validation du bureau au départ qui est obligatoire. Ok. Les règles de gestion, pardon, qui ont été présentées concernant les arbitres, à savoir renouvellement, nouvelle demande pour le certificat médical. Est-ce que cela concerne tous les arbitres, à savoir arbitre de touche, arbitre central ou autre? Alors là, il faut absolument se référer au dossier médical d'arbitrage de la saison 2022-2023, qui donne toutes les informations détaillées dans chacun des cas, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, je ne pourrais pas donner une réponse spécifique pour chacun des cas. Donc, le mieux, c'est de se référer à ce document-là, qui est très complet, très factuel, et dans lequel il y aura toutes les informations. Nickel. Ben pour moi, là, c'est bon. Tac, tac, tac. En tout cas, on a fait le tour des questions que j'ai repérées, qui Ok, reviennent bah, assez régulièrement. de toute façon, pour les éventuelles questions auxquelles on n'a pas pu répondre, nous, on prendra le temps demain de refaire une passe et éventuellement d'y apporter des réponses quand ce sera possible par mail qu'on vous fera parvenir à tous. Donc, bah, écoutez, nous, en tout cas, on va clôturer maintenant en vous remerciant tous d'avoir participé. Vous étiez très nombreux, c'est très intéressant. En vous rappelant que du coup, donc, le webinaire sera de nouveau disponible en recliquant sur le lien que vous avez utilisé pour participer à cette session. En vous souhaitant également une excellente début de saison, un excellent début de saison 2022-2023. Et puis en espérant que tout se passe le mieux possible pour vous en ce qui concerne toute la partie licence pour bien débuter et être dans les meilleures dispositions dès le mois de septembre. Voilà. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.